concerto pour vigne et violon dans le domaine sud-africain de Morgenzone. Jour et nuit, à longueur d'année, le vignoble est bercé par des morceaux de musique baroque. La méthode a déjà été testée dans certaines fermes pour augmenter la productivité des vaches laitières, par exemple. Mais rien ne prouve que le raisin apprécie Mozart. Beaucoup de gens sont sceptiques, ils ne comprennent pas ce qu'on fait, pourquoi on le fait, surtout les voisins. Mais j'ai envie de dire que dans la vie, on ne suit pas tout le temps des méthodes scientifiquement prouvées. On fait certaines choses parce qu'on y croit. Aujourd'hui, ça fait partie de notre vie quotidienne. Les propriétaires du domaine, des passionnés de musique classique, ont lancé l'expérience il y a 5 ans. 10 haut-parleurs, placés à intervalles réguliers, diffusent des œuvres de Bach et autres compositeurs classiques sur 4 des 55 hectares de vignes. Après les vendanges, le jus fermente dans des tonneaux en chêne, toujours en écoutant des sonates. Nous n'utilisons que du baroque ou du classique parce que ces musiques ont des rythmes mathématiques. Ces ondes sonores ont un effet positif prouvé sur la nature. D'après Karl van der Merwe, les ondes musicales régulent la croissance des vignes et le vin produit dans la zone test aurait des tanins plus doux et contiendrait moins d'alcool. Le domaine vend ses chardonnays et syrah en Afrique du Sud et exporte aussi aux États-Unis et en Europe. Leurs bouteilles coûtent entre 10 et 18 euros minimum. À la dégustation, les amateurs ne trouveront pas que des arômes de vanille ou de framboise, mais aussi des saveurs baroques et des notes de Vivaldi.